En fait, regarde comment on vit. Regarde notre maison, regarde comment on vit. On est dans la merde, on a besoin de l'argent, je travaille dans éboueur, je pêche, on peut pas s'en sortir comme ça. On peut pas avoir une belle vie, tu vois. Là j'avoue, j'ai fait un gros coup là avec le gang double, j'ai reconstruit, mais bon, j'allais te le dire, mais bon, voilà, c'est pour une bonne cause, je vais avoir beaucoup d'argent, on va pouvoir sortir de cette maison de merde, mais voilà, c'était pour une bonne cause. Mais je pouvais m'en pas fous te dire. De ton argent, c'est de l'argent qui pue, c'est de l'argent sale, j'en veux pas de cet argent. Je veux qu'on vive correctement et normalement. Pas comme ça. C'est pas possible, pas comme ça. Je supporterai pas. Je t'aime tel que tu es, tu n'as pas à faire ça. On peut trouver des solutions, il y a des solutions. Donc maintenant, tu vas choisir. Soit c'est ce gang, ou soit c'est moi. Je peux pas choisir entre vous deux, voilà. Je peux pas choisir entre double et la femme. S'il te plaît, toi, comprends-moi un peu. Non, c'est bon. Ah! Casse-toi, ça m'énerve, casse-toi. Reviens, chérie. Non. Reviens. Alexandra. Non. Putain, non. Putain, non. Promets-moi que toi, tu vas dire aux autres d'aller faire évader Boundril. Faut pas le laisser. Mais moi, si je peux pas venir... Ouais, voilà, donc c'est fini pour moi. Je te sens pas bien là, je te sens vraiment pas ouais, bien. Ouais, je suis mort là. Allez-y, toujours sans moi, ça. Putain, après cette soirée là, putain. Je sais pas, tu nous as remotivés pour revenir en force. Et... Putain, je suis désolé, Guy, tu sais que t'es mon frère. T'es mon bras droit, tu sais, moi aussi je. Je sais, poto, mais. T'es mon bras droit, mais voilà. Fais gaffe, réfléchis bien. Écoute, poto, je vais aller un petit peu réfléchir. J'ai besoin d'être seul. Je peux pas rester comme ça devant toi, j'ai honte. Désolé, Guy. Oh, tu vas où? Oh, reviens! David! Laisse-moi, Guy. Putain, il est où? Je sais pas qui choisir. J'aime tellement ma femme. J'aime tellement le gang Double. Ma femme a mon cœur et Double a toute ma vie. Je sais pas. Je sais vraiment pas. On est vraiment marre de ma vie. Eh, viens, je t'amuse avec moi un petit peu, là. Arrêtez. À Los Santos, il y a de plus en plus de gangs. Il y en a, ils se prennent pour des mecs invincibles parce qu'ils sont nombreux. Là, ils sont à 3. Ils croient vraiment m'impressionner. Mais dans quelques secondes, malheureusement, je vais devoir les apprendre les bonnes manières. Parce que des gamins comme ça, ça mérite la fessée. Ce que vous avez pas compris, c'est que moi aussi j'ai un gang. C'est pas parce que je suis habillé comme ça, que voilà, il faut venir me ravager. Juste un truc, n'oubliez jamais mon nom. Flash, David Flash. La prochaine fois, vous allez apprendre qu'il faut jamais toucher à un membre du gang Double. Qui que ce soit, n'essayez jamais de toucher le gang Double. C'est impossible. C'est impossible. Alexandra m'a peut-être quitté. Elle a volé mon cœur. Mais je l'aime toujours. Mais malheureusement, un membre du gang Double a des problèmes. Boundril, j'arrive mon pote. Ou plutôt, le gang Double arrive. On va te sortir de là, Boundril. We'll be right back.
bon, c'est parti. Je vais aller rejoindre Guy parce que... Voilà quoi. Je vais essayer de prendre courage et me remettre en pleine forme et aller essayer de recontacter le gang pour la préparation de l'évasion de Boundril, de la prison, hautement surveillée. Donc je vais attendre. En fait, j'attends juste le message de Ray. Normalement, ça fait déjà 24 heures là. J'attends juste son message pour nous dire que... J'espère qu'il va avoir une bonne nouvelle. Ah, Alexandra, putain. J'arrive pas à croire que je vais plus te voir. Tu vas vraiment me manquer. J'espère en tout cas que tu vas prendre soin de toi. Mais crois-moi, je vais tout faire pour te récupérer. Là, j'ai vraiment des choses à faire, Alexandra. J'ai vraiment des trucs à faire. C'est vraiment pour sauver mon pote. Mon pote, Boundril, il a besoin de nous. Ah, Redface m'a envoyé un message. Salut frérot, j'ai l'argent, rejoins-nous au Bahama Mamas. Putain, c'est parti. On perd pas de temps. Let's go. Alors, Bahama Mamas, ça se trouve dans ses alentours, là, je crois. Je vais y aller. Si je me trompe pas, c'est dans ses alentours. Mais qu'est-ce qu'il fout dans ce bar? Nous voilà au Bahama Mamas. Y'a quelqu'un? Ouais. Ah, ils sont déjà là. Ah, salut les gars. Comment ça va? Ouais, ça va et toi? Ça va. Vous êtes tous déjà ici? Il manque que Guy. Ah, Guy, ouais. Ah ouais, tu m'as envoyé un message, il devrait arriver, je pense. Ah bah le voilà. Guy. Oh, David. Ouais. Ouais, Guy, ça va? Ah bah alors? Ouais, je suis venu. Ça va? Je peux pas laisser le gang double. Ah putain. T'inquiète, ça va mieux ça. Comme, je peux pas savoir comment je suis content d'entendre dire ça. Mais bon, d'un côté, voilà. Ouais. Bref. De toute façon, on en parlera ouais, après. Tu m'expliqueras. Ouais. Sinon, vous les gars, ça va? Alain et Tommy, salut, c'est les bon gars, ouais. Ah non, c'est bon, toi. Ouais, tranquille. Vous êtes toujours de la partie, ça fait plaisir. Vous êtes toujours là à l'heure. C'est. Ah, bah du coup, bah on est venu, Ré, t'as eu l'argent, c'est beau? Ouais, ça y est, j'ai eu l'argent, ouais, ça y est, les voitures sont vendues, le chinois, il est parti avec. Oh là. J'ai hâte de savoir à combien tu les as vendus, j'ai hâte. Attention, vous êtes prêts les gars, ouvrez grand vos oreilles. Vas-y. J'ai eu 2 millions et demi, les gars. Non. Oh là, ça fait plaisir. Putain, ouais, on s'est fait 2 millions, les gars. Non, mais laisse tomber. Ah, là je m'ouvre une petite bière. Ouais, félicitations les gars. Félicitations, là, bravo, franchement. C'est pour ça que t'as choisi ce bar là. Parce que ça, c'est un bar de luxe. Hein. Faut payer cher ouais, ici. Ouais, il fallait acheter une bouteille de champagne. En fait, et tout ça. Hein. Alors, les gars, ben. Cas, ouais, ça, ouais ça fait plaisir. Mais bon, mais moi, bon, Guy, il est au courant. Moi, je vais vous faire. Je vais vous dire un truc. Ma femme m'a quitté, les gars. Elle a appris pour le gang double. Non. Ah bon? Ouais. Donc voilà, donc aujourd'hui, voilà, merde, je désolé, suis un peu, amigo. Si vous me voyez pas trop dans mon état, si vous voyez que je suis pas trop dans mon état, ben voilà, parce ouais, que c'est normal, hein. J'ai un peu le cœur brisé, voilà, vous voyez ce que je veux dire. Non, donc, normal, amigo, je suis désolé pour toi. Hein. Ouais, mais bon, je vais essayer de la récupérer après, mais bon, c'est parce qu'elle a peur pour moi, elle a vu que, ouais, j'espère, elle a appris pour le gang double, donc voilà. Bref, de toute façon, là, après... Tu peux pas elle m'a dit, les gars, elle m'a dit de choisir entre le gang double et elle, tu vois. Qu'est-ce que j'allais dire? J'ai dit, je peux pas vous abandonner, j'ai besoin de vous, vous avez besoin de moi. Le gang double, ouais, tu vois, on oui, a besoin, ça. Vous êtes de la famille. Bravo, franchement. Ouais, et ouais, après, elle est partie en courant, mais bon, voilà. Je ne sais pas, j'ai pas de nouvelles depuis, mais j'ai très mal. Mais bon, si vous voyez que je suis pas trop dans mon état en ce moment, mais ne faites pas attention, mais voilà. J'ai décidé de venir avec vous. Voilà, je peux pas vous abandonner. Ah, ça fait plaisir. Écoute. Oui. Il y a peut-être quelque chose qui va te remonter le moral. Je vais te faire un transfert là. Attends, hein. Je vais t'envoyer. Ouais, les gars. Comme ça. T'inquiète pas. Tu verras. Il va te redonner un sourire. T'inquiète. Non, mais écoutez, les gars, vous emmerdez pas avec des bonnes femmes. Faites comme moi. Quand vous avez besoin, vous allez au pute. Ça ira bien mieux. Ah, voilà, on peut se prendre des bonnes putes avec tout cet argent. Heureusement que vous êtes là. Heureusement que vous êtes là pour moi. Ah ouais, heureusement qu'on est là. Bon, ah, tu vas nous... Donc ça va nous faire 500 000 par personne, les gars. Vous imaginez, on a ouais, 10 ouais, millions dans notre poche. Oh là là. Oh putain. Ah, s'il vous plaît, vous avez pas un peu d'argent pour moi? Il y a pas beaucoup d'argent.
Eh les gars, mais bon, je vais changer de femme, hein. Eh oui. Il y a besoin d'argent pour me payer des putes. Je vais mettre le yoga. Ah oui, toi, de toute façon. Hein. Ah, je vous file un petit transfert, les gars. Regardez, regardez. Hop, voilà. En fait, c'est du cash, ça, tu nous as donné, là. Putain. Ah ouais, merde, excuse-moi, ouais. Mais mec, tu marches avec tout ça. Oh, regardez-moi tous ces billets, les gars. 500 000. Wouh. Ah là, ça, ah, là, je me sens bien, là. Putain. Ah, ça fait plaisir de te revoir en forme un peu là. Tu oh, Ré, toi aussi, arrête la drogue. Hein. Oh là 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 là. Non, mais les billets sont presque plus lourds que mes couilles et j'en tombe par terre. Hein. Putain, je suis trop content, les gars. Putain. Oh, c'est abusé. Oh, j'ai jamais vu autant de chiffres là, tu vois. Ouais, là j'ai mis dans ma veste l'argent là. Faudrait que je mette ça à la banque là après là. Putain. Ouais, ouais, ouais. Il y avait tous les filles. Ah ouais. C'est pareil quand je vois une belle nana. Je fais pareil dans la rue. Je me balade comme ça, les gars. Je vois une belle nana. Hop et oh. Par contre, les gars, malheureusement, cet argent, on va devoir tous se réunir pour voilà t'inquiète acheter pas, du matos pour pas. Sauver Boundary. On le sait très tout. Bien. On le sait voilà. Très bien. Y a pas de soucis. Parce que là, on veut toujours. En tout cas, bien joué les gars, moi. Chacun d'entre vous. Ça n'aurait peut-être pas possible sans chacun d'entre vous. Tout le monde a joué un gros rôle dans cette mission. Chacun était. Voilà quoi. On avait besoin de tout le monde du pour bon cette boulot, mission. Les gars. Du bon boulot, putain. Ouais. Oh, je vous raconte plus ma devise hein, maintenant, mais on la connaît les gars. Hein. On a compris. On est tous collés comme une. Bonne paire de couilles. Voilà. Bon, mais du coup. Tu nous as dit que t'avais un contact là pour les ouais, du matos. Tu sais, il faut vraiment aller plus vite là. On va pas laisser notre pote Boundary. Prison, vaut mieux se préparer, commencer la préparation. Tu sais, ouais. À la prison où il nous faut du lourd là parce qu'on va attaquer la prison. Oh my god, comment on va faire? Il faut détruire. Ah bah écoutez, les gars, je connais un mec là qui gère le système médical et attention, hein, il est blindé, les gars, hein, il a une seconde vie. Hein. Ah ouais, bah écoute, avec plaisir. Faudrait qu'on aille le voir à l'hôpital, hein. Il nous a dit que... Enfin, il m'a envoyé un petit message, il nous attend là-bas en fait. Ok, bah on y va les gars, avec plaisir. Dans son bureau, allez. C'est parti. Allez, vas-y, go. Là, il faut commencer la... Maman. On sort d'une grande mission là, mais bon, on n'a pas le temps de se reposer. On n'a pas le temps de se profiter de son argent, il faut passer directement à l'action. Bah, les gars, ouais, voilà, regardez dans ma main là, la balle de baseball là. Ouais. Vous demandez ouais, où j'ai eu ça. Vas-y, donne. Je t'explique. Il y a un gang qui a essayé de m'attaquer là. Ils étaient à 3. Ils m'ont lancé des balles comme ça dans la tête et tout. Et croyez-moi, je les ai remis à leur place. Hein. Et là, je garde cette balle en souvenir. Ouais, je garde cette balle en souvenir. Ça va être mon porte-bonheur. Oh bah, t'as bien fait. Ah oui. Bah, tu les as défoncés ou quoi, les petites salopes? Ouais, je les ai défoncés. Ils étaient à 3 sur moi. À coup de poing. Ah bah, je les ai donc. Tous mis de KO. Ouais. À droite, dis donc. À droite, ouais, ok. Droite. Oh, il a esquinté la voiture. Mais alors ? Allez, les gars, on rentre dans l'hôpital. Ok. Bonjour, monsieur Paoli. Bonjour. Eh, hey, bonjour. Je vous attendais. Que... Ouais, oui. Enchanté. Ouais, oh bah dis donc. Oh. Ouais, je vous présente vite fait là, voici mes potes hein, et on avait besoin de vos services en fait hein. Ah d'accord, ouais. pas de mes services de médecin je suppose. Mes autres non services. Non pas du tout non. Ouais. Ok mais très bien. Donc, vous savez comment ça se passe, monsieur Defesse, on va se diriger vers mon bateau. Ouais. Pas de problème. Ah, monsieur, par contre, j'espère que vous avez de l'argent. Et beaucoup d'argent. Ouais, non, l'argent. Ça, mucho. Par contre, y a quelqu'un qui m'a donné sa part là. J'ai 1 million sur moi là. Y a quelqu'un qui m'a donné sa part pour porter là. C'est qui? Bah, ouais, c'est moi, j'en ai pas besoin de toute façon. Non, mais de toute façon, cet argent c'est pour nous tous, les gars. Mais Ré, non, t'inquiète pas, Ré, ça va bien. C'est. Tu peux garder ton argent. L'argent, c'est. On a dit moitié, t'inquiète pas, Ré. Oui, on a beaucoup d'argent, ne vous inquiétez pas pour ça. Alors, allons-y.
ça a dépassé votre argent. Nous on espère aussi que vous avez vraiment du matos. Hein. Ah, je vais vous montrer, mais je pense que ça va vous plaire, oui. Un petit peu beaucoup là. Alors on va prendre un petit bateau, monter sur vos yachts. On nous embarque le véhicule. Vous avez un yacht. Hein. Ré, je t'ai refilé la moitié de ton argent parce que ça faisait trop lourd. C'est bon, tu l'as eu? Ouais, c'est bon, merci. Hein. Ah, merci à toi. Du coup, là, on va au port, si c'est ça? Si tu veux, je veux bien la moitié de ton argent aussi. Allez, voilà. Monsieur. On vous suit. On va prendre un petit bateau. Alors, comme ça, monsieur, vous avez un yacht, c'est ça? Là, on va à votre yacht. C'est petit, investis pas, il y a quelques temps là. D'accord. Oh, oh, oh. Oula. Oh, c'est pas piloté ou quoi? Ah, c'est les chauffards, ouais. C'est sur la route, c'est sur la mer. Hein. Ah ouais. Haute, petit yacht. Ah ouais. Il est pas très petit. C'est là-dedans qu'on va acheter des matériels, des matos là? Je crois pas, hein. Ouais, c'est un peu particulier. N'inquiétez pas. Ouais, pas mal. C'est à l'intérieur, ça sera mieux. Non, monsieur, j'espère que vous avez vraiment de la matos pour nous parce que on n'est pas des petits joueurs, on veut pas des petits trucs, voilà quoi. On veut du lourd là. Ah, je vais vous montrer. Ah. D'accord. Ouais, on va se mettre là pour. Ah oh, bah dis donc. Oh. Attends, tu peux pêcher de la meuf hein, là-dedans, moi, il te le dit. Ah, lui, putain. Ah, monsieur, bougez bien pas. Bien son jeu. Oui, on c'est un liqueur de place, non? Bah, j'ai celui-ci, monsieur, déjà. Faire des choses que vous. Pfff, vous foutez de ma gueule. Non, mais. Ah, mais tu nous as pris pour. Pour le gang quoi, là? Il me prend pour un PD, celui-là, ou quoi? Ok, je comprends. Ray, il nous a proposé un gun, c'est quoi ton ami là? Nous on veut du lourd, nous. La yacht, oui, il propose un. Même un nerf, c'est mieux quoi. Putain, il a un yacht, mais t'as vu son gun? Là, ça va mieux. Monsieur, non, mais nous, vous avez vu notre tête? Vous avez déjà entendu parler du gang double, vous? Ok, j'ai compris. Oui, j'avais entendu parler de vous, mais bon. C'est nous. Pas trop... bon. On a déjà volé un tank et c'est pas ce petit. Voilà, nous on a déjà volé un tank et c'est pas ce petit joujou voilà qu'on a besoin. On veut du lourd nous. Donc proposer du lourd là parce que là ça nous plaît pas du tout. On va quand même de l'argent pour des armes de merde. Écoutez, seigneur, vous nous sortez ce que vous avez plus gros, ok? Veuillez m'excuser, j'ai pensé que j'avais affaire encore à des petites frappes de Los Santos. Je sais pas, je reviens. On vous attend. Bah déjà ça messieurs ça va beaucoup. Ah là ça commence à être bien. Voilà. Vous voyez quand vous voulez. D'accord. Pas mal. Vous en avez combien comme ça? Bougez pas, j'ai encore autre chose. D'accord, on verra. Ah si, ce magnifique modèle. Bah voilà. Pas mal. Là je te dis oui. Là je te dis oui. Comment c'est par ça? Hey David, tu te souviens de ce modèle? Avec ce modèle. C'est comment oublier. Ah monsieur, vous en avez combien en stock? Vous en avez combien en stock? C'est ça la question. J'en ai tant que vous voulez, j'ai envie de vous dire. J'ai un bon contact russe, celui-là je peux l'avoir en quantité. Et le prix? Le prix on en parlera plus tard. Pour l'instant je vous montre ce que. D'accord. Et allez-y, bon, allez-y. À mon avis vous avez les moyens. J'ai entendu un petit peu parler de vous. Oui, vous inquiétez pas pour ça. Pas mal tout ça. Mais bon, il nous faudra plus que des armes. Ouais. Pas mal, hein. Pas mal. C'est léger, ça. C'est léger, ouais, tu vois. Pas mal aussi. Pareil. Une merveille technologique. Celle-là aussi, on est intéressé aussi par celle-là. Ah, mais c'est parfait. Ouais, est-ce qu'il vous faut du matériel du véhicule? Est-ce que vous avez des snipers? Snipers? Ouais. Oui, j'en ai, mais je peux pas vous les montrer tout de suite. Mais je peux vous les fournir, oui. Ah, on veut voir les snipers, nous. Oui, mais je peux pas vous les montrer tout de suite. Attendez, je vais prendre votre ami là, monsieur. Venez avec moi, monsieur, avec la cravate. C'est trop lourd ou quoi? C'est un peu lourd, j'ai un petit problème au bras. Venez avec moi. Ah, ok. Voilà, monsieur. Heureusement qu'il y a des muscles. Ouais, ça va être bien, les gars. Là, oui, putain. En plus, c'est pour toi, ça, Alain. C'est toi le tireur d'élite là. Ah ouais. J'ai vu qu'il y en avait des autres, j'ai pris le premier. Voilà.
Oui, ah, il y a beaucoup de matos. Bon, pour l'instant, en tout cas, ouais, vous nous faites plaisir. À chaque fois. Vous nous faites plaisir. Maintenant, je voudrais un truc. Bon, vous avez dit qu'on parle du prix après. Oui, on parle à l'argent après. D'accord, bon, tout ça devrait déjà. De des fesses. Ouais, voilà, on est. Voilà. Si vous êtes sympa avec nous, voilà. On va être sympa avec vous. Vous avez beaucoup à gagner avec nous. Exactement. Si vous nous faites des bons prix, voilà, vous avez beaucoup à gagner avec nous. Ne vous inquiétez pas pour ça. Donc, j'espère que le prix. Bon, voilà. Messieurs. Si vous êtes comme ça, j'ai deux, trois petits joujoux à vous montrer. Je les montre pas habituellement, mais venez avec moi. Ça me fait plaisir. On y va. Vous commencez à me plaire là, monsieur. Vous commencez vraiment à me plaire. Je peux vous montrer là. Je peux vous déplacer. Et être très efficace sur les routes. D'accord, on va voir ça. J'en ai que deux en stock. C'est pour vous. Vous allez voir. Ah, ok, super. Très grand le yacht, hein. Pas mal. Balèze. Attention, monsieur. Ouvrez bien vos yeux. Oh là 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 là, quel calor. Putain, vous me faites plaisir là, monsieur. Très bien. Eh ben putain. Ça vous ferait, ça aussi. C'est fait sur mesure, ça, ouais, ou quoi, monsieur. Ah, ça c'est du sur mesure. Oui. Attends. Tout droit ramené Thierry. Hein. Attendez, je vais. J'ai essayé de monter. J'ai ramené du Thierry. Attendez, je fais une petite photo parce que franchement. Attends, David, vas-y, fais cheese sur la tourelle. Ouais. Derrière là. Non, de l'autre côté. Attends, monsieur, vous pouvez vous enlever. Ah oui, pardon. Merci. Voilà, fais cheese. Cheese. Oh, parfait. Nickel. Oh putain, c'est là. Un bon putain, ça c'est du lourd. Ouais. Ah, par contre. Eh, messieurs, je vous dis que j'ai encore mieux à vous montrer. Ah ouais, vous avez mieux que ça? Mieux que ça là. Allez, venez. Oulala, ouais, vous nous faites plaisir. Qu'est-ce qu'il va nous sortir encore? T'as vu les jet skis là? Pas mal. Ouais, il est bien équipé. Ouais. Peu le problème, c'est passé là-haut. Mais... Regardez, messieurs, là-haut. Vous reconnaissez ce véhicule là-haut? Wow, mais c'est un truc de guerre ça. Je l'avais même pas vu. Attends, ouais, vas-y. Ah ouais, pareil. Ça me plaît. Attends. Rien. Il faut que je le vois plus près, attends, de plus près. On va aller voir de plus près parce que là. Ah ouais. Eh les gars, n'oubliez pas que vous avez votre pilote attitré, hein. Ouais, Ray, il est là pour piloter, donc ça c'est un bon signe. C'est vrai. Ah moi je suis tireur, hein, je le dis direct, tireur, c'est moi, voilà. C'est vrai. Moi je suis fonceur, moi je fonce dans le tas, moi. Ah Boundril là, on va arriver, on va le sauver là. Ah Boundril là, on arrive en force là, Boundril. T'inquiète pas, Boundril. On arrive là pour toi. Eh bah dis donc, j'aimerais bien avoir un bateau comme ça, moi. Ouais, un jour j'espère. Ouais, tu mets que des meufs, que des chicas, mon caliente là, tu fais une orgie sexuelle. Oh là là, que calor. C'est mal. Mais canaille toi. Ah, je suis sûr qu'il le fait. Ouais. Monsieur, vous avez des enfants? Ah, j'en ai quelques-uns, oui. D'accord. Une armée complète, ouais. Ouais. Non mais pas tous de la même mère hein, par contre. Ah non, ça j'ai jamais réussi à les garder par contre. Putain, il a un bar et tout, il nous invite à boire un verre. Wow. Oh là là. Ah, espère ça me dérange pas si vous voulez boire un verre et si on arrive à faire affaire. Ah d'accord, voilà, il faut faire affaire. Faut faire avant après voilà. D'accord. Non, là, vous êtes les amis de monsieur les fesses, même si nous faisons pas affaire, on boira un petit coup avec le plaisir. Ah d'accord. Je pense que nous allons faire. Ah ouais. Arrête, ça va. Ouais. C'était pas fait mal. J'ai eu des petits points. Non ça va. Oh là là. Oh putain. Oh regarde les minigun autour là. Mais ça c'est devant, regarde la meuf devant, regarde. Mais lui il est juste intéressé par la meuf. Come and take it. Ah moi il veut bien te take. Pas de soucis. Ah ouais. Eh mais c'est. Ça coûte combien un truc comme ça monsieur? Ça vaut une forte somme, mais comme je vous ai dit, vous êtes un ami de monsieur Despès, ça va s'arranger sur la somme. Ne t'inquiétez pas. D'accord. Pour la totalité là.
voulez qu'on parle un petit peu argent. Tout ce que je vous ai montré. Oui. La totalité, vous savez, ça vaut des millions. Mais bon. Ouais. Pour la totalité, pour 2 millions, je vous laisse la totalité, bien parce que c'est vous. Wow. Et je vous équipe en armes lourdes complètes. 2 millions. Wow. Attends. Ouais. Par contre, on peut parler entre nous un instant. On va essayer, on va réfléchir oui, à ce qu'on prend. Pas de problème. Venez les gars, venez. Ouais. Mais qu'est-ce qui vous intéresse les gars? Qu'est-ce qui est bon pour nous honnêtement, ouais? L'hélicoptère. Attends. Ouais, déjà l'hélicoptère. L'hélicoptère c'est sûr 100% parce que pour entrer dans la prison ça va être facile. Eh hey. Ouais. Les gars. Et sinon on lui demande, là il nous a proposé les deux jeeps, les armes et l'hélicoptère pour 2 millions. Mais on essaye de négocier avec lui s'il peut nous avoir un cargo bob. Comme ça on prend un hélicoptère de combat, un cargo bob, une jeep avec le canon dessus là, et des armes lourdes. Ouais. Comme ça on prend d'assaut la prison les gars, on dépose une équipe avec l'hélicoptère qui déposera la jeep en bas. Ouais. Un autre qui restera en l'air qui exposera tout le monde et puis des armes. Comment ça s'appelle les 4x4 avec les miniguns dessus là? On a besoin combien comme ça? Deux ou une seule? Un seul. Parce qu'il y aura trop, on n'a pas assez de jambes donc on prend un seul. Plus comme t'as dit là alors. Deux dans l'hélicoptère de combat, un dans le cargo bob et deux dans la jeep. Comme ça, la jeep elle défonce tout aussi en bas quoi. Impeccable. On fait comme ça les gars. Ouais, faut peut-être aussi demander des tenues ou des trucs comme ça pour s'équiper quoi. Des cagoules, des trucs comme ça. Moi je vais juste faire un truc les gars. Je vais vous demander une faveur, c'est pour remettre la veste double tous ensemble, juste pour faire ça, remontrer à Boundril qu'on est là. Et on se met une cagoule sur la tête, mais au moins avoir la veste de double si ça vous tente les gars. Tout le monde. Ouais. Pour le prochain coup là. Oui, pour l'évasion. Pour leur montrer que le gang double est de retour. Ouais. Et ensuite on met la cagoule. Si, tu vois? Si. Mais au moins okay. On met notre petite veste, ça fait plaisir. Pour leur montrer que on est de retour en force. Ouais, pas de problème, on fait comme ça, ouais. Bon, on va voir avec lui alors. Ok, 2 500 000 le tout, essaye de négocier. Ouais. Ah, il nous a dit 2 millions, hein. Sauf qu'à la place d'une voiture, un hélico, tu demandes le cargo. Ouais, parce que je pense que l'hélico, il va tiquer un peu le deuxième, donc on essaie de négocier. On rajoute 500 000 de plus, ou je sais pas. Ouais, vas-y, on y va. Et demande-lui pour les masques, tout ça aussi. Ouais. Alors, on est intéressé pour l'hélico. Pour un Karine Rebelle. Ouais, très bien. Pour toutes les armes. Et. Mais on aura besoin aussi d'un cargo bob. Si vous pouvez nous faire le. Qu'est-ce que vous nous proposez là pour ce que je viens de vous dire? Avec le cargo bob en plus, je rajoutais 500 de plus. Un Karine Rebelle en moins. Un Karine Rebelle en moins, on veut juste un seul Karine Rebelle. Ah mais je vous fournis quand même le cargo bob en plus. Donc aussi des équipements, des masques, tout ça. Équipement et masque, c'est pas un problème non plus. Vous donnerez accès à une armurerie à ville, vous servirez. D'accord. Du coup, vous nous proposez combien? Ça pour le tout, est-ce que ça vous va? Le cargo bob, l'hélicoptère, une Kuruma. Et c'est bon, les gars. À volonté. Des armes à volonté. Ah, écoute, hein. Attends, des armes à volonté, j'ai bien entendu là. Ah ouais. Toutes les armes que je vous ai montrées, je peux vous en fournir une à chaque personnel. J'équipe toute l'équipe sans problème pour cette somme. Vous avez d'autres armes aussi? J'ai un sniper, j'ai différentes gammes de snipers que j'ai montré à votre ami. D'accord. Pour accéder à l'armurerie, tranquille, sans souci, histoire de s'équiper. Okay. Ah, c'est bien je ça. Je vous laisserai accéder à l'armurerie. Adjugé vendu, on accepte. Ouais. Alors c'est bon pour moi, messieurs. Adjugé vendu aussi. Bon. 2005. On va signer auprès d'un verre. Ouais, perfect. On y va. C'est parti. On vous donne, on vous suit. Putain, regardez ce qu'on a, les gars. Ouais. C'est un joli bébé, hein. Oh là là. C'est quoi votre numéro de votre RIB, s'il vous plaît?
l'air horrible, c'est le numéro 3. Voilà, monsieur. Oh là là, ça fait mal en tout cas. Les gars, voilà, avez... dans le frigo, il y a des bières qui veulent une bière. Vous avez reçu, monsieur? C'est bon, vous avez reçu les 500 000. Bon, ben les autres, chacun son tour, donnez-lui son argent. Très bien, monsieur. J'ai reçu. Bon, ben voilà. En tout cas, ça a fait plaisir de faire affaire avec vous. Exactement. Et moi, pareil. Ravi d'avoir fait affaire avec le gang Google. Rappelez-vous, pour le coma des mortels, je suis le docteur Doumé Paoli. Simple médecin. Ouais. On était très enchantés, en tout cas. Tout est à vous, monsieur. Les armes, vous le mettez où? Dans l'hélico? Vous l'avez chargé dans l'hélico? Oui, les armes sont dans l'hélico. J'ai un petit personnel qui est en train de vous charger l'hélico actuellement. Ah, merci beaucoup. Bon, ben les gars, on embarque tout. Voilà, ouais. Messieurs. Encore une fois, ravi d'avoir fait affaire avec le Gog et Double. Bah, ouais, pareil, et monsieur. Merci. Et comme je vous ai dit, si jamais la police vous interroge, docteur Paoli, simple médecin. Ma vie, seconde vie, personne ne la connaît à part vous. Ouais, après on vous connaît pas, on vous connaît juste en tant que médecin, c'est tout. Sinon, voilà. Très bien. Vous inquiétez pas pour ça. Très bien, messieurs. Allez, on y va, les gars. Je vous abandonne ici, messieurs. Allez, merci. Fait affaire avec vous. Bonne journée, merci à vous. Au revoir. Au revoir. Allez, on y va. Les gars, on se retrouve dans notre ancien QG, les gars, d'accord? Notre ancien QG. Ok. Ça fait longtemps qu'on n'est pas parti dans notre QG, hein. Ça va faire bizarre. Ouais, c'est ce que j'allais dire. J'espère que ça a rien changé, j'espère. Ouais, c'est un truc de fou. Angelo, ah ouais. Putain, on est plat. On est prêt là. On va récupérer les armes. Ouais, c'est beau les gars. Parfait. Impeccable. On va récupérer les armes, ouais. Les armes sont à l'intérieur. Ah ouais, regarde, j'ai. On attendrait de fesses pour le cargo bob. Et moi je vais me servir moi les armes. Oh putain, moi j'ai fait le plein. Oh, il a mis de tout dedans. Ah ouais. Oh, moi c'est celle-là ma favori. Ouh. On est paré, ouais, les gars. Pris, bah attends, on attend Ré. Ah ouais, et regarde comment je suis beau gosse comme ça. Pas mal, ouais, non? Ouais, mais ils ont mis du loup, hein. Ah ouais, regarde le gilet pare-balles. Essaye de... Tape-moi, vas-y. Essaye de me taper, tu vois, je vais rien faire. Mais les vêtements et tout, en plus. Je tiens une balle, d'accord? Vas-y. Ah ouais, ça fait rien. Aïe. Oh. Ouh, ça pique quand même. Non, oh mais y'a pas du sang. Y'a même pas du sang, attends. Oh, les gars, y'a même pas du sang. C'est des impacts. Les gars, des impacts. Ouais, c'est les impacts. Ah, mais oh ouais, ça oh, ça me fait mal au côte un peu, hein. Arrête. Oh, y'a Ré. Ouais, Ré, viens ici. Putain, deux hélicos, les gars. Le gang Double a acheté deux hélicos, les gars. Truc de ouf. Oh, excellent, ouais. Excellent. Vas-y, descends. En plus, regarde-moi la couleur, les gars. Ouais. En place. Oh. Oh, magnifique. Magnifique, quoi. Impeccable, les gars. Impeccable. Bien joué, c'est du bon boulot, les gars. Donc, on a utilisé l'argent pour du matos de militaire, mais bon, ça va nous servir à l'avenir et tout. Quoi. Ouais, exactement. Bon, les gars, moi je vous propose qu'on va un instant remettre notre veste du gang Double pour montrer à tout le monde qu'on est de retour en force. Et là, officiellement. Merci. Vous êtes chaud, les gars? Ouais. C'est. Ah, les gars, comme au bon vieux temps, les gars. Ouais. Regardez-moi ça. Allez, on va tout niquer. On va tout niquer là. Bon, comme on le dit toujours. Beau gosse, là. Ouais, comme on le dit toujours, Double jusqu'à la mort. C'est Double jusqu'à la mort. On est officiellement prêt à montrer à toute la ville de Los Santos que le gang Double est officiellement de retour. Désormais, on ne se cacherait plus. On a notre veste Double. On a plein d'armes. On est blindé jusqu'aux pieds. On a du matos de militaire. Alors là, je peux vous dire qu'on va tout défoncer. Les poulets, préparez-vous. Ça va être votre fête. Le gang Double arrive.